Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le multijoueur de Call of Duty Modern Warfare 3, consacré à la découverte du nouveau mode Guerrier Code. Trois équipes s'affrontent en jouant à des mini-jeux au rythme effréné. Chaque manche propose un nouveau mini-jeu avec un nouvel objectif. Ça a l'air d'être incroyable. Surtout que j'ai pu voir la description de certains de ces mini-jeux et il y a des pures dingueries. Je sais même pas où ils vont chercher de telles idées, mais continuez comme ça. C'est très très bien. Tout en sachant qu'on a à peu près une dizaine de mini-jeux, donc ça va, il y a pas mal de diversité. Je pense que niveau rejouabilité, on est plutôt au top. Est-ce qu'au final, on a des points négatifs pour ce mode? Je ne crois pas, non. Après, bon, on n'a encore rien vu, mais c'est vrai que quand même, mon intérêt vis-à-vis de ce mode Guerrier Code est à son paroxysme, je crois bien. Et surtout qu'il y a moyen qu'on fasse un peu d'une pierre deux coups. En plus de découvrir ce nouveau mode, je vais également peut-être découvrir Toonoxide, la version du coup cel shading de Rust, car j'ai pas encore joué dessus. Elle est disponible dans cette playlist, dans ce mode, donc. Si on peut tomber dessus, ce serait plutôt parfait. On va peut-être même chercher, du coup, à tomber dessus. Bon, parmi 6 maps, ça devrait pas être trop compliqué. La sélection de maps, d'ailleurs, est très intéressante, hein. Il y a Training Facility, il y a Get High aussi, qu'on retrouve pas, je crois, pourtant en partie rapide avec cette saison 5, mais ils l'ont quand même intégré dans ce mode, donc ça, c'est une bonne chose. On a du coup Yard aussi, du coup, fraîchement arrivé avec cette saison 5. Donc, non, la sélection de maps est pertinente de fou. C'est que des petites maps, hein, vous remarquez. Mais en même temps, bon, vis-à-vis des mini-jeux auxquels on va participer, c'est tout à fait logique. Voilà, je pense que tout est dit, je suis de toute façon tellement hype que là, sans plus tarder, il est temps de se lancer à la découverte de ce mode Guerrier Code. Ça va être une pure folie! Dans un premier temps, l'objectif, c'est pas forcément d'être la meilleure équipe, mais plutôt de découvrir chacun de ces mini-jeux. En même temps, sans les connaître, je pense que ça va être compliqué de les maîtriser et donc de remporter la plupart de ces mini-jeux. Donc ouais, on va y aller mollo, si je puis dire. Et il faut 5 victoires, ouais, du coup, pour remporter une partie. Alors là, je crois déjà savoir ce que ça va être. Parce que regardez, on a un drone sapeur, je pense, ça va être spam de drone sapeur. Ça va être le gros bordel. Mais en plus, non, on est au middle, on se fait avoir, nous, attends. On est au pire spawn. Parce que les deux autres, ils sont au fond, forcément. Aïe 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 aïe, ah, il a réussi comme à suicider, ça c'est bien joué. Oh non, mais attends, mais moi je vais me faire dégommer au drone sapeur, j'ai peur justement. Ah, sapeur, ma peur. Oui, j'en ai eu un. Il y en a un autre là, regarde. Allez, celle de V1, bien joué, sale allié. C'est n'importe quoi. Mais c'est ça qu'on veut justement, du n'importe quoi. On a l'avantage, bah ouais, attends, c'est du 2v1. Ok, on va le fumer. On va remporter ce premier mini-jeu. Sont là, je pense, le middle, c'est bien parce que du coup, ça va pas taper, tu vois. Hey, et bingo! Bon, il faut encore en gagner 4, mais celui-ci, il était pour nous. Nickel. Ah, bah ça XP ma FPG, très bien. Oula! Mais attends, mais. Mais non, mais c'est dégueulasse, j'ai déjà. Ah non, c'est bon, on régène. Je pensais limite qu'il n'y avait pas de régène de vie en plus. Donc là, c'est comme si on se prenait une charge électrique et on est limité. Sauf qu'on a balles illimitées aussi. Ok, donc ça va. Mais ouais, j'ai le shoot. Ah, il est là l'autre. On s'entend même pas là. Oh merde. Bon, ah oui, mais en même temps, j'avoue. Ben oui. Ben oui, forcément, la strat c'est d'être allongé. Parce que quand t'es allongé, ton réticule de visée il est plus petit, non? Normalement, oui. Hein. Ah, bah il avait la strat. Hein. Bah ouais. Oula, attends, je l'ai dégouillé. Ah, bah ça, la grenade là. Ah, bah yes. Allez, à la prochaine. Hein. En fait, le truc, c'est des mini-jeux très rapides, tu vois. Donc, lui, tu vois, j'ai peut-être compris un peu trop tard. Donc, bah voilà, on a perdu. Faut être réactif, en fait. C'est pour ça que dans un premier temps, là, quand t'es en mode découverte, tu sais pas trop à quoi t'attendre. C'est délicat. Mais une fois qu'on va connaître tous les mini-jeux, ce sera beaucoup plus simple. Là, je pense d'ailleurs, c'est vraiment full grenade. Ils peuvent même pas se mettre des dégâts ou du tout le bouclier. Hein. L'allié, il gère en vrai. Hein. Oh, dommage. Bon, un partout. Mais du coup, attends, tu peux faire quand même beaucoup de mini-jeux en une seule partie, hein. Ça va sur un 4-4-5, imagine. C'est quoi ça? Oh, ma petite Vector chérie, tiens. Très bonnes armes. Attirail méta. Mais c'est chiant, on a toujours le pire spawn, hein. Le middle, je suis désolé, c'est le pire spawn. Bon, ça va, là j'ai fait un petit kill. Ah, par contre, je suis en 1v2. Ah ouais, putain, c'est les deux mecs d'une seule team. Oh,
Non, ma Vector chérie, j'aurais pu te faire gagner. T'aurais pu me faire gagner aussi, surtout, c'est ça. Ouais, il aurait fallu faire trop. Kill. Oh merde, je sais ce que c'est, ça, faut tirer direct. Mais il y avait un mec à loup. Donc là, en gros, ouais, on était tous sur le visuel de quelqu'un. Enfin, on voyait tous quelqu'un, on pouvait lui tirer dessus, et puis voilà, quoi. Ah, mais moi, il y avait un mec allongé, tu vois, sur le côté. Bah là, pareil, tu vois, je pouvais pas savoir, du coup. J'étais vraiment en mode encore full découverte. À l'allié. Bien joué, ça. Et rien n'empêche, j'avais pu remporter mon petit duel à la Vector, même si, bon, c'était compliqué, on aurait pu déjà avoir 3 points. Couteau, full couteau, c'est ça? Couteau, bah, voilà. Ça a le mérite d'être clair, mais sauf que personne va vouloir se rusher, là, c'est... Oh merde, il y a une autre team. Oh merde, mais là, je suis pris en traître. Ah, ah non, mais là, c'était trop, en fait. Parce que là, les deux teams nous ont pris en sandwich, là, on était la cible à abattre. Ah ouais, là, c'est un peu con, hein. Ah, ça, c'est full tourelle. Bon, bah on va poser une petite toile ici et on verra. Mais le truc, c'est que vu qu'on a le Stormrender, je suis désolé, mais je pense que ça va partir sur une manche infinie, hein. Quoique, ok, j'ai fait un kill, très bien. C'est là le seul moyen qu'on se tue, on est d'accord. Quoique, attends, j'ai envie de tenter. Ouais, mais il y a la toile, je vais pas y aller. L'allié n'y va pas, il n'y va surtout pas, sauf si tu désactives la toile. Ok. Mais ouais, on peut les tuer en coup de crasse ou pas, du coup? Ah bah non, bah ouais, non, donc c'est forcément la tourelle. Donc, ouais, à moins vraiment d'être débile comme moi là, j'ai failli d'aller dans la toile en fait de l'ennemi, tu ne peux pas mourir. Merci d'aller dans ma tourelle, par contre, vous êtes très généreux, surtout que du coup, bah, il en reste plus qu'un. Et il est forcément au fond vu les tourelles. Ah, mais dommage, j'ai pas de nouvelle tourelle moi. Alors, toi, on va te prendre en soin d'une tourelle, tu vas voir. On tient peut-être du coup une nouvelle victoire. Mais c'est quand qu'on récupère notre tourelle? Non. Je dis non. Mais regarde, du coup, on spawn kill sa tourelle, donc c'est parfait. De toute façon, en toute logique, étant donné qu'on est deux, normalement on gagne. Je suis désolé. Ah bah! Et ma tourelle a fait un carnage. On peut. Ah oui, on peut savoir notre nombre de kills en plus. J'ai déjà 9 kills. J'y vais à fond, hein. Ah bah là, c'est du shuriken. Ah oui, j'avais eu la déception. Je crois qu'on a. Oui, on a un super saut aussi. Voilà. Attends, mon shoot. Non, mais il m'a one shot, quoi! Oui, bon, en même temps, je fais l'étonner, mais oui, effectivement, on peut one-shot au shuriken, mais il faut vraiment le mettre dans la tête en même temps, donc vas-y. Moi, c'est pas un shoot divin qu'il a eu, c'est un shoot chatteux. Putain, ils ont 4 points par contre, quoi? Oh non, la remontée. Oh, ils sont en balle de match, hein. Ah, must... Oh, putain. Bah, là, faut être stratégique, c'est-à-dire que faut être ceux qui se font pas tirer dessus, hein. Il y a bien une équipe, de toute façon, qui va se faire focus, faut pas être cette équipe, hein. Mais merde, moi, je me fais déjà focus. Il y a les deux sur moi, bon, ouais, je suis dans la merde, moi, direct, hein, c'est foutu, hein. Moi, c'est ce qu'il fallait pas, tu vois, je me suis pris les deux, comme par hasard, 2v1. Aïe, 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 tu vas voir que comme par hasard, du coup, c'est ceux qui sont à 4 points, là, qui vont emporter. Ouais, bah, c'est ça, tu vois, ouais, ouais, ils sont en 2v1, donc ils ont gagné. Ah, mais là, il fallait rester ensemble, en fait, tu vois, hein. Il fallait clairement rester ensemble, hein. Bon, on apprend, tu vois, du coup, au fur et à mesure, hein, vis-à-vis de ces différents mini-jeux. Je pense là, d'ailleurs, on les a pas tous fait, hein, mais... On a quand même fait du coup 9 au total, hein. Donc ça en fait, hein. Mais non, on les a clairement pas tous fait, hein. Après, est-ce que c'était pas une team aussi, hein? Bon, moi je pense que c'était une team, hein, ceux qui ont remporté, hein. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple aussi, hein. Quand t'es en team play, hein, et encore plus quand tu connais, parce que là c'était deux niveaux 900 aussi, donc les mecs ils ont déjà saigné la saison. Et je pense qu'ils ont même saigné ce mode, donc c'était peut-être free win en même temps, hein, vu les conditions de jeu. Mais je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillé, hein. Chaque fois sans connaître ce qui nous attendait, en tout cas, bah, pas tout de suite pour certains. Je pense notamment, tu vois, au duel un peu en mode cowboy là avec le tir. Alors là, je me suis fait prendre dépourvu, même pareil quand on était en mode full grenade, pareil. Mais bon, il y a des manches comme la manche tourelle où je me suis bien débrouillé, même la manche Vector aussi. Donc, il y avait un peu de tout. Ah, Yard, du coup, pour cette nouvelle partie. Et du coup, c'est quand même des parties rapides parce que bon. Tu penses quand même qu'il faut faire beaucoup de mini-jeux pour l'emporter. Oui, là, on en a quand même fait 9 sur cette partie, mais mine de rien, c'est des tout petits mini-jeux, tu vois, très très courts. Donc, les parties s'enchaînent quand même très très rapidement. Oh, par contre, non, vas-y, encore les deux. Je suis désolé, mais je quitte. Non, mais j'ai pas envie de tomber sur ces deux-là, ils vont encore emporter. Maintenant, on passe à un autre niveau, maintenant, on va chercher la victoire, quand même, un minimum. Hein. Mais là, c'est pas drôle. Parce que, vas-y, vraiment, je pense, c'est les tryhards du mode, ils ont tellement joué, ils connaissent tout par cœur, et vas-y qu'après, pour eux, c'est victoire garantie. Cette fois-ci, la victoire, elle est pour nous. J'ose espérer, en tout cas, que ça soit le cas. Mais en vrai, vu qu'on connaît maintenant la plupart des mini-jeux, ce sera quand même beaucoup plus simple vis-à-vis de la game précédente où on a quand même fini deuxième.
face à une team, en plus, prétendument une team. Donc non, en vrai, je suis plutôt confiant. Et bon, déjà, une deuxième place sur la première partie, c'était pas mal comme résultat, avec en plus 3 manches de remportées. Alors, on a les points, mais on n'a pas encore toutes les infos pour autant. Hein. Non, parce qu'il y a plusieurs manches qui se commencent au point. Ah! Encore les drones sapeurs! Bon, en vrai, je m'étais bien débrouillé hein, sur la première game. Hein. Très bien débrouillé, même. Donc, on va essayer d'être aussi performant avec nos drones sapeurs. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de mur derrière nous. En tout cas, d'éléments qui permettent aux drones sapeurs d'exploser direct. Voilà, je balance, mais je sais pas. Ah, oh putain de. Ah non, ça c'est pas juste. Hein. Il va m'en mettre un par derrière. Je devrais pas fuir, mais bon, en même temps. Oh, le marqueur. Assistance, on l'a eu du coup. Je sais pas pourquoi il m'a poursuivi comme ça, c'était peut-être pas la meilleure des strats, mais tant mieux pour nous. Par contre, nous, si on va en hauteur ici, ça peut être pas mal, non? Il y en a un là, 2v1, ok. Le dernier, il doit être sur la. Pas sûr en fait qu'il soit sur l'allié. J'ai même pas fait de kill, j'ai fait qu'une assist. Je ne suis pas comblé. Comblé par la victoire. Attends, mince, l'allié. Non! Et qu'est-ce qui se passe là, vu qu'on est peut-être tous les deux. Waouh! Et par contre, comment ça se fait que... Ah, on gagne! Ah bah, chacun gagne un point, ok. Et comment ça se fait par contre que je ne l'ai pas tué et qu'il m'ait pas tué? Parce qu'on s'est quand même pris un gros drone sapeur en pleine tronche. Hein. Drone sapeur, là, il était timide en termes de dégâts. Vous êtes traqué, couré. Ah bah ça, c'est nouveau. Oh bah, je pense savoir qui nous traque. Oh merde. Par contre, je crois qu'il y a qu'une seule team, du coup, qui nous traque. Ah, je pense, hein. Donc c'est du... Oh merde. Merde. Quoi? Ah oui, mais non! Il restait que nous dans notre équipe! Ah, mais là, c'était presque. Oh, mais ils ont le couteau de lancer illimité aussi! Bah oui, mais attends, c'est trop simple! Bon, en fait, sur cette manche-là, sur ce mid-jeu, faut être les trackers. Attends, c'est ultra avantageux! Bah. T'as juste à spammer les couteaux de lancer? Oh non, c'est abusé, regarde! Et encore là, il a zéro shoot, mais bon, qu'importe qu'il ait zéro shoot, il a couteau de lancer illimité! Trop facile aussi! Hein. Et comme par hasard en plus du coup qui avait déjà remporté la première manche avec nous, donc ah ouais ils étaient ultra bien. Ah donc là c'est toujours avec toi pour l'attirail méta. Bon ma petite Vector chérie hein. Bon la limite on va les laisser s'entretuer. Hein. Si vous venez pas, ça sera comme ça. Bon bah ils commencent déjà à s'entretuer, tant mieux. Non parce que si au final imagine on se retrouve en 2v1, bah tout bénef hein. Ah bah ils sont là. On va peut-être quand même aller push un peu là. S'il y a un kill potentiellement à se faire et encore. Ok, il doit être au fond là. 2v1. Ah oui, il en reste vraiment plus qu'un. Bon bah. Super. Bien joué l'allié. Ok, pour l'instant, on est prétendument en bonne voie. Bah tiens, là je vais pouvoir prendre ma revanche. Même si je sais toujours pas si le bouclier du coup peut faire quelque chose ou non. Mais bon. Ah, du coup, tu mets direct ton bouclier après de retour en main. Une fois que t'as lancé la grenade. On va essayer de faire un cocktail explosif là. Ça n'a pas du tout fonctionné. En même temps, j'ai peur que derrière aussi il y ait des grenades donc je sais limite pas où me mettre. Ah merde, je suis en 2v1 en plus seulement. Bon, attends, lui il m'a pas vu. Il m'a vu. Et merde, je suis pris en sandwich en plus. Après, si je survis, je pense même s'ils sont. Ah, quoique s'ils sont deux, non, peut-être qu'ils auront la victoire quand même. Quoi? 8 marqueurs, la grenade. Bon, moi aussi, du coup, mais je l'esquive, c'est pour ça. Oh, j'en ai eu un. Ah, bah là, au moins, la question va pas se poser. Sauf si je meurs, du coup, et là, c'est défaite, mais si je le tue, victoire. Hein. Oh, j'ai espéré, hein. Oh, j'ai espéré, hein. Mais je crois que même la dernière, là, elle était pas loin, mais bon, ça s'est arrêté avant. 3-3 du coup, mais décidément avec eux là ça veut pas. Hein. Bon, la manche tourelle. Ouais, je vais en placer une ici parce que c'est pile dans l'axe. En vrai, ah oui, mais si l'allié pose là, au même endroit, bon, c'est pas très très utile. Hein. On va peut-être déplacer du coup la mienne. Ah bah non, c'est bon. Il a viré la sienne ou alors il se l'est fait détruire, je sais pas. Celle-ci, de toute façon, c'est ultra facile pour juste remporter la manche. Hein. Parce que bon, c'est pas si compliqué d'esquiver les tourelles. Hein. De toute façon, si on reste tous en vie. Bah du coup ouais on aura chacun un point je pense hein. Oh bien joué ma petite tourelle là. Je savais que tu pouvais le faire. Bon c'est les violets ouais du coup c'est les violets qu'on a eu. Ah si on peut quand même se débarrasser des violets je dirais pas non hein. Parce que du coup il est là. Justement.
Il détruit ta tourelle. Bon, après, moi, j'ai pas ma tourelle. Ah! Ok. Mais oui, de toute façon, c'est tant que ma tourelle est pas détruite, j'aurais pas malheureusement. Une autre tourelle. Oh, je peux pas la toucher ici, je pense. Hein. J'étais juste pas dessus, je pense. Elle est trop facile, hein, cette manche. Hein. Du coup, si vraiment en fait faut juste rester en vie jusqu'à la fin, c'est pas compliqué hein. De rester en vie jusqu'à la fin. Ou alors vraiment c'est que tu fais le con hein. Oh, l'allié qui va chercher le kill, peut-être. Il aurait fallu rajouter un truc en plus, tu vois, parce que là vraiment. Ou alors au moins ne pas afficher les toiles, tu vois, sur la map, parce que le fait qu'on les voit sur la map, ça change tout hein. Ah ! Attends. Ah non, c'est parce que c'est l'autre team là qui... Oh bah pour une fois ils étaient pas avec nous en mode collé serré. Donc du coup on est en balle de match nous hein. Balle à gogo, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est les balles ralenties en mode Matrix qu'il faut esquiver. Regarde, du coup elles vont à 2 à l'heure les balles et du coup tu peux les esquiver. Incroyable ça hein. Elles vont vraiment à 2 à l'heure parce que là, en vrai on est pas si loin et pourtant ça prend pas hein. Oh bien joué l'allié. Moi aussi je veux faire un kill comme ça, c'est trop stylé. Le problème c'est que du coup faut mettre je sais pas combien de balles pour tuer aussi parce que bon c'est qu'un pistolet encore 45, on a la régène, bref. Je sais même pas comment l'IA a fait son compte mais il l'a fait hein, pour le kill hein. Ah bah moi aussi tiens voilà, eh oh hé. Allez là il faut gagner parce qu'en vrai si on gagne cette manche c'est fini hein. On a gagné la partie dès le deuxième essai, dès la deuxième game donc ce serait magnifique. Ah mince, il y a tir allié par contre, je savais pas. Désolé l'allié. Par contre là. Allez là, ouais, on va tâcher de remporter la partie quand même. Hein. Allez, on le bloque. Oui, bien joué ça. Oh, le 2v1, on l'a pris. Hein. On l'a pris, on l'a soulevé. Let's go. Très bien joué ça. On a fait 4 petits kills pendant toute la partie, certes, mais la victoire à la fin. Hein. Incroyable. Il y a eu beaucoup du coup de manches où finalement on était à égalité. Mais vu que du coup les deux équipes dans ce cas-là remportent des points, bon en vrai c'est bénef hein. C'est pourtant tu vois un scénario qu'on n'a pas vécu sur la première partie, mais là j'avoue que c'était quand même beaucoup des égalités. Il y a très peu de manches au final où on était la seule équipe à la remporter. Eh mais sur la dernière manche justement on l'a fait hein. On était les seuls. Les vrais victorieux. Et voilà, la victoire finale est donc acquise et ça, c'est magnifique. Malheureusement, toujours pas de Tounoxide. Mais ça m'empêchera pas d'aller chercher à nouveau la victoire, potentiellement. Bon, par contre, on se tape le niveau 90. Non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, mais... Quand même, niveau expérience, je sais pas, moi. Oh non, pas ça. Attends, qui sont du coup les ennemis? En vrai, c'est lui, je pense qu'il faut focus, hein. Ouais, il me vise... Oh putain, il me visait pas, il me visait pas. Il me vise maintenant, c'est de la triche. Quoi? Ah mais attends, le truc, c'est qu'il faut pas tirer. Oh, je sais pas. Je comprends pas en fait ce mini-jeu. J'ai l'impression que c'est. Je tire et du coup je me suicide. Y'a moyen hein. Ah lui par contre il est nouveau, attends c'est. Ah bah c'est le même truc que. Les tourelles mais avec des drones. Ah mais là en gros soit tu joues défensif, soit tu joues offensif. Parce que regarde, les drones tu les vois arriver donc tu peux les fumer mais. Le problème c'est que si tu contrôles un drone t'es vulnérable. Ah ouais. Bah je pense que je vais essayer de jouer limite full défensif et c'est vrai que ça passe hein. Après eux ils savent pas où on est en même temps avec leur drone. Sauf que moi là regarde j'ai déjà des infos hein. Ouais on va essayer parce que là ils sont au fond de toute façon. On va essayer d'en fumer là. Regarde il y a les deux. Oh merde, il m'a vu venir. Eh bah non. Trop tard. Ouais bon il faudrait tuer le deuxième maintenant pour être sûr qu'on est parfait. Chacun son tour. 10 secondes. Il est où? Merde, il passait où? Ah il est là. Enfin c'est lui, je suis pas sûr. Non c'est un autre. Oh 2v1, bien joué. Ouais sauf qu'ils vont remporter un point aussi je pense hein. Il n'y a pas de vainqueur. Aïe aïe aïe. Mais ouais du coup la manche là avec le tir je comprends pas. Peut-être qu'il faut pas tirer hein. Parce que du coup dans la file ça marque comme un suicide donc c'est très. Ah drone sapeur, tiens tiens tiens. Allez, à la guerre comme à la guerre. Il y a bien un qui va venir au pré-shoot là, non? Oh bah oui, ça l'a pas tué malheureusement. Oh bah! Oh bah! Trop bien, ça me va, excellent. J'ai même pas compris comment j'ai fait les kills aussi facilement, mais je les ai faits. Bon bah il en reste un, en vrai qu'on pouvait facilement du coup 2v1. Il est là.
Moi je le voyais pas dans cette direction, j'ai cru, mais non. Ah il est là. Oh portail. Ah j'ai touché là en plus, comment ça? Ah mais attends, mais du coup il est vraiment par ici? Je pensais qu'il... Ah il est là. Faut que je fasse gaffe quand même si en vrai il y a toujours l'allié en garantie victoire normalement. Si je meurs c'est pas si grave mais quand même. Mais c'est chiant parce qu'ils vont encore remporter un point du coup alors que bon, on en devait un nous. On devrait remporter un point aussi et, c'est... et en plus c'est toujours les mêmes du coup. Ah eux ils ont full chance hein. Parce qu'ils s'en sortent moins bien que nous mais bon ils gagnent quand même un point. Ça me fait un peu rager. Ah la manche gonade. Celle-ci c'est pas ma manche de prédilection mais bon. On va tâcher de se débrouiller hein. Peut-être pas qu'on reste ici, je suis pas très confiant, on est un peu en mode cul-de-sac ici. Après s'ils se défoncent entre eux très bien mais... Ouais je suis pas fan de ce positionnement hein. Même si vraiment pour l'instant j'ai l'impression qu'on passe un peu entre les mailles du filet du coup hein. Ils sont où du coup en vrai? Faut se balancer comme ça les greux. Ils sont même pas d'un côté comme de l'autre parce qu'il y avait personne là à droite. À gauche par contre je suis persuadé que oui il y a du monde. Ah ils vont encore remporter un point hein. Tu vois, ils vont remporter en fait la partie mais en faisant que des égalités, j'ai l'impression. Bah, c'est bien parti, hein. Parce que là, ils vont être à 4 du coup. Aïe aïe aïe. Tout s'est joué en fait sur la manche du tir où je comprends pas ce qu'il faut faire. Mais bon, la prochaine fois qu'on tombe dessus, je pense que je tire fort hein, et on verra. Hein. En même temps, ce serait débile comme truc, mais il y a moyen que ce soit ça, hein, je sais pas. Ah ! Oh bordel. Oh, de toute façon, je serais mort, c'est pas grave, il y avait l'allié, mais il y avait trop de grenades là. Hein. Ah ça je connais. Oh l'allié fonce. Là faut être le premier à détruire le véhicule, vite. Oh mais non mais ouais l'allié c'est bon. Il m'a fait perdre, c'est foutu. Oh mais non mais l'allié t'es sérieux. Bah ouais mais il connaît pas malheureusement. Et voilà, et eux ils remportent la partie. Bah de toute façon c'était la team hein, c'est ça. Je crois qu'ils étaient en team les gagnants justement. Oui c'est ceux qui avaient le même skin. Mais là l'allié il m'a fait perdre. Disons les termes, il m'a fait perdre. Oh fait chier. Fait chier, fait chier, fait chier. Ouais, fallait être la première team à détruire le véhicule, mais si l'allié il est pas au courant qu'il faut détruire le véhicule, toi t'es tout seul, bah t'as déjà perdu, hein. Donc eux, ils étaient très bien au courant vu la vitesse où ils ont détruit le véhicule, hein. En vrai, là, je crois qu'on a tout vu, du coup, parce que c'était peut-être le mini-jeu dont j'avais la connaissance et du coup, on n'était pas encore tombé dessus. Après, il y a peut-être sinon des mini-jeux que j'ai oubliés ou, bon, j'avais pas lu à la description, mais je crois qu'on a à peu près fait le tour, hein. C'est tout Noxide qu'il me faut maintenant, en fait, hein. Yes! Enfin Toonoxide! Il est temps de découvrir cette nouvelle variante de map qui a l'air magnifique en plus. Hein. Et directement au niveau de l'ambiance, ça me fait penser à la cinématique d'intro de la saison 3, il me semble, de Modern Warfare 2019 avec la réintroduction d'Alex, où justement on avait Rust un peu de nuit comme ça. Donc j'avoue, ça fait beaucoup penser à cet élément. Bon, par contre, je me tape le niveau 22. On pourra peut-être pas compter sur cette partie pour faire une dinguerie, une victoire. On verra ça. J'ai appris des trucs d'ailleurs entre temps parce que j'ai regardé vraiment le descriptif de tous les mini-jeux. Et donc, je sais qu'il y a encore un mini-jeu sur lequel on n'est pas tombé. Mais. Ah bah c'est lui, réanimation. Non mais le hasard comme par hasard. Ah mais le problème c'est que c'est le mini-jeu où il faut communiquer. Donc moi, il faut que je trouve mon allié là en gros pour le réanimer. Mais je sais pas où il est l'allié hein, en l'occurrence. Hein. Donc je pense qu'on va perdre, hein, très clairement. C'est toi mon allié? Et tu... Oh putain, c'est mon allié. Oh la chatte. Mais en plus, je connais même pas le skin de mon allié, donc c'était vraiment full aléatoire. Hein. Ok mon gars, on commence bien. J'aime bien cette game. Ah, la map est vraiment magnifique. Hein. Oh non. Bon, ça c'est moins cool. Est-ce que une seule fois, on sera l'équipe qui track? J'ose espérer, mais bon, malheureusement, ce n'est pas encore arrivé. Bon, on va se mettre ici, hein, on va les attendre, hein. Pendant ce temps-là, je pense qu'ils vont focus les autres. Oh, bien joué, l'allié, vas-y, ils vont se cacher. Ils vont pas venir ici, hein, les ptios. Donc oui, du coup, en ayant vu tous les mini-jeux, et du coup, là, on les a vraiment tous faits, vu qu'il manquait plus que celui de la réanimation, j'ai pu voir qu'il y avait deux mini-jeux avec le tir. Alors, pour le coup, du coup, je suis pas sûr qu'on ait fait les deux, parce qu'il y en a un où il faut tirer, et il y en a un autre où il faut pas tirer. Alors, je suis sûr que... Oh, merde. Que Yard... celui qu'on a eu sur Yard, du coup, c'est celui où il fallait pas tirer. Je suis persuadé, c'est pour ça que ça nous a fait un effet de suicide. Par contre, j'avoue que sur la première partie, où on était du coup sur Training Facility, là, je sais pas trop, honnêtement. Je sais même pas du tout si c'était la version tirée ou pas tirée. Mais ça, c'est fourbe, du coup, et c'est fait exprès en même temps pour confondre entre les deux. Donc ouais, je sais pas si on était sur l'une ou l'autre. Mais est-ce qu'on le sait, du coup, quelle version c'est?
Je suis même pas sûr non plus, hein. Mais bon, au moins la prochaine fois qu'on tombe sur un tel mini-jeu, bon, faudra se dire soit on tire pas. Mais il y aura une bonne décision à faire. Dernier ninja. Ah oui, ok, ça mange ninja. En tout cas, pour l'instant, on commence très très bien. Donc là, peut-être qu'au final, même en étant avec le petit niveau, on va réussir à empocher. Oh le gros lot! Bien joué l'allié! Moi, je me suis fait un petit shuriken, mais toi, bien, t'inquiète. Bon, c'est un 2v2. Ah, l'allié. Non, ok, j'ai cru qu'il était sur eux. Ah! Ils sont sur moi par contre! Putain, ils sont de l'autre côté. Ok, on va tranquillement régène. Ils sont derrière. Après, l'allié est dessus du coup, non? Ah oui, l'allié il est en train de se faire charbonner. Oh, tiens! Ok, 1v1 final. Mais en vrai, en étant très smart, j'ai juste joué la survie pendant 20 secondes parce qu'on va gagner un troisième point. Bon, eux ils vont en gagner un deuxième, mais on garde l'avantage parce que sinon, ça va faire 2-2. Après, si je pouvais le tuer, j'avoue que ce serait encore mieux, mais bon, j'ai l'impression que je suis en avantage pour le faire. Oh, quoique! Oui! Oh, ça c'est. Masterclass! Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que sur cette partie, tout se goupille parfaitement jusqu'à maintenant. Oh, par contre, l'allié, s'il te plaît, nous fais pas une yard. Il a l'air s'y connaître le pio, j'aime bien ça. Peut-être que si on tape à l'avance, il fait plus de dégâts. Non. Ah mais, je crois qu'il a arrêté justement de taper quand il y avait l'icône, mais sauf que non, faut continuer je pense. Oh bah tiens. Faut tirer, faut pas tirer. Putain, fallait tirer. Ah ouais mais, du coup, tu vois, non. On nous dit vraiment, la dernière seconde là, c'était écrit feu, mais en fait, fallait déjà tirer avant, donc en fait... Bah faut tirer et tu prends le risque. Enfin, je sais pas mais c'est un peu... C'est un peu chiant ça hein. Bon là, l'allié s'il te plaît faut qu'on se cache. Faut pas qu'on... Oh putain en plus... oh non il y a les deux teams sur nous je crois. Il y en a une par là et l'autre par là donc malheureusement je crois qu'on est... Là on est dans la merde. Bah on avait eu de la chance là pour débuter mais je crois que la chance va disparaître hein. Avec tout dans la tête comme si on était dans le mode jugger moche voilà. Bon j'aurais aimé avoir le kill malheureusement c'est une assist. Ah mais il était tout seul lui de toute façon. Bon j'espère que l'allié a pas pris de dégâts, moi j'ai pris un peu cher quand même hein. Oh l'autre il arrive derrière, bah ouais mais bon. Et lui il a pris 0 dégâts donc c'est foutu. Oh je me suis tapé 2 assists. Oh mais ils ont eu full chance là par contre. Parce que nous on a dû faire 3 fights, ils en ont fait que 2 du coup hein. C'est forcément plus simple. Ok drone sapeur ça me réussit bien mais bon. Voilà voilà quoi. Pour autant. Ah, il va essayer de prendre la hauteur et c'est exactement ce qu'il faut faire. Oh putain, j'ai touché en plus là. Après, quoique, hé, hey, la hauteur en vrai, tu peux la cancel, je pense, facilement. Hein. Aïe 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 aïe, attention. Oh, c'est encore du 2v1, j'en ai marre. Oh, et en plus là, il est pas mort. Ok. Ah, je crois qu'ils se sont pas entretués. Ah non, ils étaient peut-être pas ensemble. En tout cas. Soit... Ah non mais... Ah bah non, on est obligé de le tuer là en fait. Y'a pas le choix. Il est où? Je le vois plus. Et il est là. Mais meurt. Non. Ah vas-y. Ah mais ça a déréglé la partie là qui est une team avec un seul joueur. Ça... Ça a un peu foutu le bordel. Hein. Bon bah dommage. Hein. Malheureusement. Avec mes multiples assists. Ça avait si bien commencé au début, tout s'est coupé parfaitement, et après, bon, vraiment, ils ont eu full chat, hein, sur les manches qui ont suivi. Ils ont eu full chat du début jusqu'à la fin. En plus, c'est la team aussi qui a été, du coup, en mode tracker, donc... Ah, ils avaient un peu tout pour eux, hein. Malheureusement, c'était compliqué de vaincre dans ces conditions. Bon, l'objectif, quand même, c'est de retomber sur Punoxide. J'ai pas dit mon dernier mot. Parce que, bon, si on fait qu'une seule partie, c'est un peu léger, niveau découverte, j'aimerais bien tomber une deuxième fois dessus. Vu comment j'ai galéré pour la trouver une fois, j'ose pas imaginer pour la trouver une deuxième fois, mais rien n'est encore fait, on va y arriver. Voilà, c'est ça qu'on veut, le retour de Tounoxide pour une deuxième partie. Là au moins, on va vraiment avoir une découverte complète. Bon, il y a un niveau 8, il y a un niveau 34, j'ai pas forcément envie d'être avec eux. Bah, surtout que là, du coup, ça va être une partie sans aucune team, hein. Vu que bah, forcément, il manque un joueur, mais lui, il pourra pas appartenir à une team, donc. Ça promet quand même une game très équilibrée. Après, je sens que je vais tomber avec le niveau 8 ou le niveau 34. Rien que pour le divertissement, il faudrait que ces deux-là se retrouvent dans la même équipe. Je suis désolé. Question d'équilibrage. Bah ouais, forcément. Mais est-ce que ça... Ah ouais, je vais me taper le niveau 8. Ah ouais, il est juste en dessous de moi, regarde. C'est forcément lui. Bah ouais, non mais... Il y a zéro divertissement. Bordel, pourquoi je me tape le plus petit niveau? Mes chances de remporter la partie sont très très minces. Là, va falloir carry comme jamais, je pense. Hein.
Comme quoi, tu vois, on va peut-être faire qu'une seule victoire à l'issue de cette vidéo, parce que bon, c'est dur d'en refaire une. Hein. Oh, pas sur ça en plus. Mais ça, malheureusement, c'est une manche, on ne peut même pas carry. Oh non, il est même... Oh là, l'allié. Quoi? Bah après, dans l'autre équipe, c'est pareil. Bon, bah déjà, eux, ils ont gagné, parce que bon... Ah, ils sont deux, et pour cette manche, bah forcément, ils n'auront pas besoin de plus. Oh, quoique, il y a un, regarde, il est parti, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah, malheureusement, je pensais que c'était du coup l'un de la team où ils étaient deux, mais non. Mais ils font chier les deux petits niveaux. Ah mais non, mais l'autre il a rejoint quand même, donc c'est vraiment moi le dernier des cons. Bah là, ah, ça faisait longtemps, tiens. C'était pas encore tombé dessus. Donc je suis vraiment le seul à être solo. Encore, tu vois, si on avait été deux solos, il y aurait eu un peu d'espoir, mais là, il y a vraiment zéro espoir. Hein. On tombe sur Tounoxid et on se tape la pire game. Voilà, voilà. Hein. Et pourtant, regarde, allez. Oh putain, on l'a dégommé, hein. Ah, il a rejoint enfin! Mais attends, là, il était pas sur PS3, il était sur PS2 carrément! Vu le temps qu'il a pris! Ah merde! Toi, je t'ai pas vu venir, mais j'ai fait mon petit kill! Allez, Lali, on compte sur toi! Ouais, enfin, difficilement là. Hein. Ah, lui, c'est le niveau 8 et en même temps, il est sur PS2, donc ah, bah, c'est sûr que là, on va pas faire grand chose. Hein. Allez, mon gars, tu peux le faire! En vrai, ne pars même pas au fight, comme ça, tu nous feras gagner un point. Meilleure stratégie, s'il te plaît! N'y va pas, n'y va pas! Je croise les doigts pour qu'il trouve pas en fait l'ennemi. Et que l'ennemi ne le trouve pas! Oh merde! Hein. Aïe aïe aïe, avec ce shoot là, il ne va pas s'en sortir. Le A-Train va lui mettre. Non, 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 oui, oui. Égalité. Il faut y retourner. Il a pas joué le temps, mais bien heureusement, ça a quand même joué un peu le temps. Ok, bon, maintenant, il va falloir vraiment essayer de carry parce que je pense qu'on pourra pas forcément compter sur lui. Hein. Ah non, non, non. Bon, on va aller essayer de se confronter. Oh, ça part en hauteur déjà là. Parce que je sais pas, ça envoie. Ok, ils se sont entretués. Allez, j'en lance un comme ça au hasard. Oui, je savais très bien que ça avait pas touché. Après, ici, normalement, on n'est pas facile à toucher, je pense. Hein, sauf si quelqu'un arrive par là. Mais sinon, non. Hein. Et du coup, là, c'est deux. Oh putain. Il aurait descendu hélico presto lui ici. Oh, merde. Ça a pas l'air de one shot du coup. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il faut vraiment mettre deux. Hein. Tu vois, c'était pareil sur la game d'avant, sur encore Tounoxid. Donc, ah, l'autre il a dit. Il est désolé parce qu'il a tué son allié, je crois. Hein. Ouais, ça doit être ça. Si j'ai bien compris. On le fume! Oui, c'est le dernier, lui ou pas? On le fume! Voilà, on l'a fumé. Ah non, c'est pas le dernier, mince. Ah, mais j'ai tué l'allié du coup. Mais en fait, il y a Tirallié qui est vraiment. Qui me bombarde là? Qui est vraiment dispo dans tous les mini-jeux. Hein. Ah, mais c'est lui. Il n'y a pas de vainqueur. Bon, 2-2-1. Je dirais, au vu du début de partie, c'est bien déjà qu'on soit premier ex aequo. Oh! Et ça, par contre, arrête de dire que c'est une classe méta, c'est pas du tout méta. T'as vu la gueule de la Vector? Déjà, personne joue Vector, et en plus. Vraiment, la classe est tout sauf méta, y a pas de cross quoi. Non mais qui joue pas de cross sur la Vector? C'est la pire idée ever. Hein. Y'a rien de méta là-dedans. Hein. Ok, 1v1. Je sais pas du tout où il est, mais j'espère qu'il est pas en hauteur. T'as pas l'air, hein. Je le vois pas en train de monter et je le vois pas en haut. Après, il est peut-être déjà en haut en train de m'attendre. Hein. Sneaky, sneaky. Encore 30 secondes. Ah, si tu veux jouer le temps, on va jouer le temps. Hein. Ah, bah surtout que c'est un du coup qui est à un point. Donc en vrai, ça m'arrange. Hein. Comme ça, on passe devant. Et merde, putain, il était derrière. J'ai rien entendu, j'ai rien vu et j'ai rien pu faire. On a même pas de killcam. Oh non, la manche couteau. Voilà, la manche couteau. Je sens que c'est perdu d'avance. Là, c'est la connexion. Seule la connexion peut nous sauver. En fait, si on se met un peu en hauteur. Oh, mais attends. Mais oui! Mais bordel, pourquoi j'ai pas rushé le top immédiatement? Ils vont pas venir. Ouais, oh, bah trop tard, là c'est foutu du coup. Ah bah oui. Bah ouais, tu vas pas venir contester un mec qui est comme ça en haut. Oh. Et du coup, c'est l'allié le seul qui s'est fait avoir. Bon. L'autre il s'est mis. Mais il est pas con lui d'ailleurs sur l'échelle. C'est un génie même. C'est vrai qu'il peut pas se faire tuer, il y a que le couteau. Y'en a, ils ont des strats très malins. Hein. Très très malins de leur part. Ah si, en vrai, si, si. Si tu te laisses tomber juste au-dessus du mec, je pense que tu peux lui mettre un joli kill au couteau. Mais c'est la seule manière de faire. Alors, ce qui fait chier, c'est que du coup, chaque équipe va gagner un point là. Sauf si. Oh, attention, regarde. Ouais, mais eux, ils peuvent y aller en plus. Hein. Ils le devaient. Hein. Ils pourra jamais tuer les deux. Ils auraient dû rush. Hein. Au moins, ça aurait fait une team avec un point en moins. Cela, du coup, on va tous remporter un point. Ça peut aller loin comme ça, attention hein, on peut aller sur un 5-5-5. Le pire c'est que c'est possible, mais bon, je sais pas ce qui se passerait. Ah mais l'allié là, il me désole parce que il va nous faire perdre. Bon là du coup, il y a forcément une team là et l'autre elle est là-bas. Je connais maintenant les spawns, hein. Merci à partir d'avant.
pas y aller, faut pas y aller, il y va, enfin je pense. Je sais pas trop. Bah il tire, donc pour moi oui. Tout là, ils ont pas l'air de se tirer dessus. Si. Oh. En plus là on avait la porte ouverte. Attends, je vais monter hein. On a la porte ouverte, ok. C'est, je crois que c'est la première fois que ça arrive sur ce mini-jeu que enfin on n'est pas la team qui se fait focus par les deux autres. Oh merde. Oh non, il y a le deuxième, j'avais pas. Il sort d'où le deuxième? Il est pas monté à l'échelle, je crois, entre temps, peut-être. Bon, l'allié, cache-toi. T'as... Oh, 20 secondes. Si seulement je pouvais lui dire de se cacher. Il va surtout pas, s'il te plaît. Il va surtout pas, ils sont deux en plus. Mais non, il va y aller. 10 secondes. Non. Oh, il en a one shot un. Si ça c'est prévu, je ne pense pas. Hein. Oh non, vite, une seconde. Merci, le saint timing. Et il y a vraiment... Oh la balle de match, non mais sérieusement. Oh là là, bon. En vrai, on sait comment jouer sur celui-ci, on se met allongé et ça fonctionne. Me tire pas dessus l'allié par contre, hein, il fait peur. Faut pas que je reste à côté de l'allié, il est capable de me tuer. No joke. Je m'éloigne le plus... Il me suit. Il veut me tuer. Après, je sais pas si c'est pas ricochet, hein. C'est peut-être ricochet, donc en principe ça devrait le faire. S'il nous tire dessus, c'est lui qui meurt. Moi, je vais juste fuir parce qu'en soi... Bah on est sûr de gagner un cinquième point hein. Je sais pas si on va gagner mais... Moi je vais la jouer smart hein. Peut-être qu'à cette distance on peut le toucher. Bah tant pis hein, il y aura victoire avec Zeko mais moi je vais rien tenter hein. Ou alors il vient et je l'attends allongé mais... Je ne tenterai rien de rien. Ah regarde on a des balles par contre en mode pixelisé. Ça vient peut-être du... Bah quoi que pourtant non, c'est bizarre. C'est le moment de l'attendre. Oh c'est machiavélique. Mais c'est la plus belle des victoires celle-ci. C'est vraiment exceptionnel comme victoire, je n'ai pas les mots. On a gagné avec un niveau 8 qui n'était pas là en début de partie. Et en plus, c'est en sur la manche décisive qu'on arrive à l'emporter, être les seuls à l'emporter. Parce que sinon je pense qu'il y avait victoire ex aequo. Enfin, il n'y aurait même pas eu de victoire en fait, ça aurait écrit match nul. Vraiment, ça aurait été décevant. Là, vraiment... J'aurais jamais pu prédire un tel scénario et pourtant ça s'est fait exceptionnel. Par contre ce mode il XP vraiment pas, hein. C'est dommage. C'est vrai que dernièrement, tu vois, en tout cas sur la saison 4, on a eu des modes incroyables et qui XP incroyablement bien. Bon là malheureusement le mode est incroyable mais il XP pas donc... T'es moins enclin on va dire à y jouer si du coup à côté t'as pas la carotte tu vois qui t'attire davantage malheureusement. Ça repart sur Yard pour cette nouvelle partie où peut-être on va une nouvelle fois aller chercher la victoire. C'est tout ce que je peux espérer. Allez, maintenant on connaît tous les mini-jeux, on les connaît même bien sauf bon celui avec le tir qui peut encore nous trahir vachement. Mais à part ça normalement ça le fait. On commence à avoir des stratégies, oh mais non vas-y, on commence à avoir des stratégies et tout, bon là malheureusement... Est-ce qu'il y a vraiment un moyen de déterminer avant si on peut tirer ou pas? Je vais pas tirer du coup, je vais essayer d'esquiver au début, mais tu vas voir que c'est encore la manche où il faut tirer. Du coup, je vais me faire avoir. Ah bah non! Ah bah merci! Non, il y a vraiment aucune manière de le savoir, hein. C'est exactement pareil, la version tirée et la version pas tirée. Même si bon, là du coup, je les ai bien douillés. Ça fait plaisir. Eh, coucou toi! Ah merde! Mais non, c'était pas mon allié toi, il y a pas de coucou! Mais je sais même pas quel skill encore une fois mon allié. Bon, on va essayer de chatter le fait de le trouver. Mon allié, où es-tu? C'est toi? Non, tu n'es pas mon allié. Dégage de là. Tu me fais chier même. Il est où mon allié? Quelqu'un a vu mon allié? Non, tu n'as pas vu mon allié? Le problème, c'est que l'autre, il était quand même obvious, donc je pense que lui, il va se faire réanimer. Hein. On est bien peur. Oh, c'est eux. C'est lui. C'est toi, mon allié? Non, quoi? Oh, si seulement j'avais activé le prompt directement, parce que j'ai galéré au début, parce que je savais pas si c'était celui de gauche ou celui de droite, sauf que je pensais que c'était celui de droite au début, bah je me suis fait avoir. C'est injuste, mais pourquoi ils en ont mis deux à côté aussi? Oh, c'est ça réellement qui m'a fait peur, parce que t'as vu, on était vraiment à la toute fin. Hein. Oh, c'est dégueulasse en vrai, comme scénario. Je déteste ce genre de scénario. Là, je vais fuir parce que voilà. Hein. Pourquoi il y a tout le monde qui s'est regroupé? Par contre, l'allié qui est en train de carrière max là. Bien joué, l'allié. En même temps, c'est pas de ta faute si je ne t'ai pas réanimé. Mais c'est pas non plus de la mienne, hein, c'est du jeu. Hein. Allez, 2-1. Voilà, l'allié. C'est un ninja, hein. Je pense qu'il a été ninja dans une vie antérieure parce que là il nous a fait un classique. Bon j'espère que sur cette manche minigun on va avoir de la chance comme sur Rust. Nuxie, si vous préférez. Par contre l'allié Molo là va pas en rush comme ça. Hein. T'es un ninja certes mais je pense pas que t'es un pro du minigun pour autant. Hein. Faut pas être tout à la fois en même temps. Hein. Ça va, je me suis pas pris trop de dégâts, quasiment rien en vrai. Peut-être ça la strat au final c'est de se déplacer partout, je sais pas.
Défonçons le dé. Merde. Oh, c'est bon. Là, je tirais sur l'allié, sinon. Allez, 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 allez. Le problème, c'est que c'est perdu, hein. Bah oui, parce que... Eh, du coup, il reste les deux, là. Sauf que si je fuis... Bah non, je ne peux pas fuir. Oh là là là. C'est toujours le même scénario là-dessus. C'est écœurant. Oui, on dit les termes, hein. Ah non, mais à chaque fois, du coup, on doit se confronter à une team et on se ramasse après la deuxième. Sauf sur Rust, et c'est la seule fois qu'on a gagné en même temps, donc c'est pas pour rien. Ah, et la fameuse fausse classe méta, qui n'a même pas en plus de chargeur amélioré. Non, mais vraiment, c'est la fausse méta de chez fausse méta. Hein. Cette méta est corrompue. Ah, lui, il m'a même pas vu, bon, soit. Moi, je vais rester ici, je pense, j'ai une bonne position de survie. Hein. Ah bah, surtout que ça va finir en 1v1, cette histoire. Ah oui. Donc, il est là, le dernier, je pense, dans les parages. De ce que j'ai entendu. Ah mais attends, elle est même pas rechargée ma Vector. Ça fake recharger. Moi oh, je préfère jouer l'égalité. Hein. Enfin, si je le trouve, je ferai tout pour le fumer, mais bon. Je vais pas tenter un rush. Oh. Sans savoir où il est. Bon, là je sais où il est, mais pour autant. Je sais pas forcément par où il est parti. Hein. Plus que 10 secondes. Oh, il est là. Putain, il m'avait pas entendu, je pense, en plus. Oh mais c'est fait exprès là, non. Là on aurait pu l'avoir mais oh, il nous a échappé. Bon en soi après ça fait 3-2-1 donc on garde l'avantage. Ok, mais je pense que j'aurais pu l'avoir. Ok, celle-ci normalement si on la joue full temporisation on peut gagner aussi. Je vais pas tenter de risque, toi je te laisse faire, au pire l'allié je vais essayer de te protéger. En vrai je pense que c'est ça d'ailleurs la meilleure strat, hein. C'est un qui parle offensif et l'autre à la défensive du coup. Hein. Mais c'est sûrement effectivement la meilleure strat. Mais c'est exactement ce qui se passe d'ailleurs du coup parce que regarde. Oh bien joué l'allié. Là, il n'y a qu'un seul drone dans chaque équipe qui s'attaquait. Mais l'allié, mais il nous sort encore un classique. Hein. L'allié m'a l'air très très bon. Hein. Oh, coup, toi. Désolé. Oh, la diversion de fou. Oh, j'aime. Oh, j'aime ça. Bon, je te laisse faire, l'allié. Vas-y, finis le travail. Hein, où t'en es, de toute façon. Hein. T'as plus qu'à le terminer. De toute façon, il est pas en drone, donc tu dois être en déplacement. Très bien. L'allié c'est un pro du shuriken et en plus c'est un pro du drone, donc c'est un ninja futuriste, je pense qu'on peut en déduire ça. Bon celle-ci elle va être beaucoup plus compliquée à gagner parce que là c'est une manche vraiment full aléatoire. Mais bon l'allié est un ninja donc peut-être qu'il se débrouille bien aussi oui, au couteau, voilà effectivement, oui je crois qu'il se débrouille bien aussi au couteau. On va essayer de rester ensemble, hein. Ils ont plus de difficultés à nous avoir je pense si on reste les deux ensemble. Ah il a compris de toute façon que si on reste au fond comme ça, ouais bien. Ah surtout que là ça va être... Coucou! Ils nous ont vu, oh merde. C'est plus gênant vu comme ça du coup. Hein. En plus, nous on est dans le cul-de-sac, on n'est pas. Magnifique! Oh là là, quel travail d'équipe! Mais pourquoi on n'a pas à chaque fois un allié comme ça? Mais c'est l'allié auquel on ne peut que rêver en fait. Hein. Il était incroyable. Oh là 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 là. Et encore, normalement, on aurait dû être à 6 points parce que. Je reparle encore une fois de la manche de réanimation. Elle nous a échappé de manière un peu injuste, hein, avec les deux qui étaient côte à côte. Hein. L'autre, tranquille, il était tout seul, son allié, à réanimer. Mais on va pas en parler davantage, c'est pas nécessaire. Bah, limite, j'aimerais en faire une dernière, mais sur Get High. Hein. Si je peux trouver Get High, parce qu'on est toujours pas tombé dessus. C'est une map, j'ai bien envie de jouer dessus, justement, dans ce mode Garry Code. Donc, ce serait cool, ouais, pour terminer, en soi. C'était vraiment pas compliqué de trouver Get High, tout de suite, après Yard. La voici, exceptionnelle. Ouh, on est avec le niveau 900. Mais est-ce qu'on va réussir à enchaîner une troisième partie d'affilée avec une victoire? Qui sait? Peut-être? Allez. Je sens quand même que c'est plus simple sur les parties récentes que sur les premières, maintenant qu'on connaît. Hein. Là, on connaît justement la strat de l'allongée. On va le faire encore peut-être pour la victoire. Hein. Même si on sait que la première manche, donc là, il n'y aura pas de victoire tout de suite. Hein. Molo, molo. Mais on va encore une fois tâcher d'être stratégique. Hein. Finalement, le fait qu'il y ait des égalités, c'est une phase très très importante dans ce mode. Hein. C'est un peu la méta même en fait, d'aller chercher l'égalité, la survie, tout ça, tout ça. Hein. On l'a, parfait, ça s'entretue, l'allié, parfait. Peut-être, oh bah oh, je crois qu'on est encore avec un allié qui va poser un classique. Bon là, on a la strat de toute façon. Hein. S'il vient à nous, moi je la sors allongée. Et on n'a plus qu'à, voilà, hein, à développer. Il va venir, il va venir. Je suis prêt. Ça fonctionne à tous les coups. C'est vraiment la strat cheatée en fait. Et à chaque fois ils viennent à toi en plus, c'est exceptionnel. Après moi j'avoue je faisais la même chose du coup sur les premières parties. C'est moi qui venais à l'ennemi mais maintenant je sais que c'est une erreur. Bon vas-y on fait la même. Pose ton drone, je te protège. Bon même s'il a pas l'air de le voir. Bon, au pire on partira pas à l'offensive, c'est pas grave, c'est pas nécessaire. On peut faire également que de la défense, moi ça me gêne pas.
Merde, par contre, eux, ils sont focus sur nous, mais ils vont se prendre un drone sur le côté, là. Ah bah exactement, hein, c'est ce qui s'est passé. Après, si on peut quand même au moins évincer une team, c'est le minimum, tu vois. Histoire que, bon, on soit pas non plus tous à gagner un point. Après, en tous les cas, bon, on aura toujours notre petite avance tant qu'on gagne. Hein. Allez, attention, 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 prends pas de risque. Ah bah voilà, une team en moins, parfait. Ah, il parle en offensive, vas-y, vas-y, je te protège. Fonce. Ah oui, par contre, ouais, ça a pas l'air d'être un produit drone, lui, hein. Oh, donnez-moi mon ancien allié, il était bien meilleur en contrôle de drone. Ah bah, c'est bien joué, ça, par contre, très bien joué. Même s'il a rien fait, c'est qu'un suicide. Oh bah, allez, hop. Ça sent bon, peut-être, pour une autre victoire. Allez, cette fois-ci, grenade. Mais grenade, on peut sur lui, ça peut le faire. Et là, il n'y a pas de véhicule pour me gêner. Parce que parfois, tu peux avoir les véhicules aussi en mode... Oh, coucou, faut que t'es explosif, ça ne peut pas arriver sur Get High, au moins. Avantage. Oh, toi, par contre, tu vas t'en prendre une. Mais j'ai peur que ça arrive pas derrière... Non, c'est bon. Ça arrive pas derrière moi. Ah, mais l'allié est mort. Et eux... Oh, merde, ils arrivent par là. Un peu gênant. Très gênant, même. Oh, attends, on va fuir par là. Ciao, bye bye. Oh, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Moi, ça va pas. Très bien, là, je suis poursuivi. Oh merde, ils sont dans la même team en plus. C'est un 1v2 dans les règles de l'art. Par contre, si on se met là, on va être ultra bien. Ils vont pas nous fumer ici. Hein. Non, c'est bon. Là, je pense qu'on est bien. Quoique, ils peuvent toujours caler une grenade, mais bon. Plus compliqué que si j'étais au sol. Ils arrivent pas, de toute façon. Tant mieux. Je sais pas où ils sont, hein, mais je crois qu'ils sont à l'opposé. Eh, vous venez ou vous venez pas? Si vous venez pas, bon, vous gagnerez un point, mais moi aussi. Hein. Et on sera à 3, nous, surtout. Hein. Alors qu'eux, ils seront que à 1, on va avoir un sacré avantage, là, en vrai. Hein. Yes, allez. Nickel, chrome. Et on a quand même fait un kill, en plus, on repart pas bredouille. Alors, ça... Oh, putain, la traque. Mais pourquoi on n'est jamais les trackers? On n'aura jamais été les trackers, malheureusement. Ah, des alliés, tiens. Bon, ouais, eux, c'est les alliés, du coup, quand même. Hein. Mais ouais, c'est fou, du coup, qu'à chaque fois, on est les traqués. Il y a quand même une chance sur 3 d'être tracker, c'est pas rien, mais pour autant, ça veut pas. Mais on est ensemble, toi, t'aurais pu rester. J'aurais dû rester caché, même. Faut qu'on fasse alliance, nous deux, là. Mais merde. Bon, y a plus d'alliance qui tient, je suis tout seul. Je sais pas comment je vais m'en sortir tout seul, hein. Plus, si les deux sont pas ensemble, ils vont forcément me piéger à un moment donné. Oh, putain, mais il est derrière moi, forcément qu'il va me piéger. Ah, mais non, il en reste encore un. Bon, bah là, définitivement, je suis tout seul, hein. Mourez dans le vide, s'il vous plaît. Tombez dans le vide. Oh, vite. Yeah. Oh, yeah. Je gagne du temps, je gagne du temps. Mais il a pas de couteau de lancer, lui. Je crois qu'il est pas au courant qu'il en a, mais... Continuons, continuons. Non, bah, il vient de s'en rendre compte. Tardivement, mais il vient de s'en rendre compte. Ouais, mais ça, c'est vraiment horrible. C'est tellement le mini-jeu qui avantage une équipe et toutes les autres se font douiller. Hein. Et c'est jamais nous qui sommes avantagés. C'est injuste. On va par contre, on barre, allez. Je préfère peut-être ça va arriver par... Oui. Et voilà, moins un. Excellent, excellent. Ça fait déjà une team handicapée et une deuxième avec l'allié, bien joué. Il a fait son coup lui aussi. De toute façon, celle-ci, il faut qu'on remporte un point quoi qu'il arrive. Donc là, c'est important de pas de choc. De toute façon, attends, on va limite. Non, quoique, non. Pas nécessaire de rejoindre l'allié, je pense pas. Oh, trop tard. Par contre, attends, on va aller sur la hauteur. Hein. Il est là? Oh, il est là. Ça bug par contre. Pas le moment, c'est bon. C'est bon, ça bug plus de toute façon. Il est où le dernier? Si on peut le finir, lui... Oh putain, il était derrière moi depuis le début? Oui, non, je sais pas. Ah non, il était derrière. Ouais, je pensais qu'il était derrière, mais... Oh, le headshot qu'il m'a mis. Ah bah ça, ça m'a one-shot. L'allié, s'il te plaît, joue la survie. Sois pas foufou. N'y va pas. Yes, bien joué ça. Ouais, surtout que du coup, ils sont à 3 points, hein, donc imagine, là, ils ont été à 3-3, ouais, du coup. Donc on garde l'avance. Oh non, la méta, pas méta. Le retour, du retour. Putain, il rush le middle, il est fou. Il va me laisser tout seul. Ah, je suis pas d'accord, moi, j'ai pas signé pour ça. Ah, putain, il est sur la hauteur, lui, ok. Et derrière, attention. Ah bah, oh non, me dis pas qu'il est tombé dans le vide. Je pense que si, hein. Bon, je crois qu'on va difficilement la gagner, celle-ci. Ok, ça arrive. Ah ouais, mais non. Du coup, je me suis pris des balles avant notre duel. Ah, l'allié, il a fait le con, là. Je sais pas ce qu'il a fait, de rusher au middle et en plus de suicider, mais... Je pense que ça va nous coûter le point, parce que attends, ouais, bah, ils ont forcément deux encore en vie, donc ils vont clairement le marquer, le quatrième point. Hein. Donc ça va jouer sur le dernier. Hein. Je prends un nouveau chargeur. Il ne fera jamais le 2v1, ouais, non, mais forcément.
L'allié nous a saboté là, parce que bah eux du coup ils sont restés à deux forcément, et les autres équipes à une se sont fait démonter. Oh non, c'est moche ça, la réanimation, non. T'es sérieux? Punaise. C'est pas tout neuf. Yes! Oh la chatte que j'ai eue! C'est simple! Soit je partais à gauche, soit je partais à droite, je suis parti du bon côté, on a réanimé. Après, il pouvait aussi se trouver au middle, hein, mais il y avait beaucoup d'options, mais une seule pouvait nous permettre de l'emporter, et on remporte la partie là-dessus. Incroyable. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai quand même envie de voir quelle est la prochaine map, parce qu'à un moment donné, si c'est une map assez sympa, genre un peu un Tounoxide, je suis partant, tu vois. Mais sinon, ouais, on s'arrête sur une troisième victoire d'affilée. C'est plutôt exceptionnel, hein. On commence, enfin c'est même pas qu'on commence, c'est qu'on dompte même maintenant ce mode guerrier code. Nous sommes officiellement un guerrier Call of Duty. Et oui, et ça c'est beau quand même, c'est magnifique. J'adore, je continue à XP ma STG, alors que je ne joue pas à STG, c'est juste que c'est mon arme, on va dire, principale, en tout cas dans la classe mis en principale, donc du coup, ouais, ça donne de l'XP pour elle. Ça tombe bien vu que je l'ai pas à niveau max. Donc là, magnifique. Alors, bon. Vous me prenez par les sentiments, oui, je suis obligé de repartir. C'est chiant, parce que là, on aurait pu arrêter sur une victoire, mais en même temps, Tounoxide, voilà, c'est un peu la volonté de découvrir cette map en même temps sur cette vidéo, et là, vu que, bon, elle est proposée, on va forcément y aller, pas le choix. Et tant pis, en vrai, c'est pas une victoire, on a quand même fait 3 victoires d'affilée, c'est déjà magnifique comme ça. Bon, là, il y a une team en face, autant dire que ça va être compliqué de les avoir à leur propre jeu. Faut croire que je suis peut-être un pro de la réanimation, d'ailleurs, hein. Ah, c'est tourelle ou c'est drone? En vrai, je préfère les manches drone, parce que les manches tourelle, c'est vraiment rompiche. Hein. Les manches drone, il y a un truc. Ah, parfait, c'est une manche drone. On s'ennuie pas pendant les manches drone, ça c'est sûr. Bon, je vais encore faire mon objectif de défense, hein. Moi je suis vraiment pas le pilote. J'aimerais, mais bon, on va pas s'y mettre à deux, quoi, ce serait complètement débile. Alors l'allié, on parlait de débile. Est-ce que tu serais pas un débile, justement? C'est possible, parce que maintenant je vais devoir me défendre tout seul, alors que j'ai l'impression qu'ils veulent tous ma peau. C'est pas très charmant comme concept, hein. Oh merde, putain, je suis à côté d'un mec, là. Oh non. Ça aussi, c'est pas très charmant. Ça veut dire qu'il est juste en dessous, je pense, hein. Ouais, il est là. Ouais, dégage de là, toi. Viens pas me faire chier avec ton drone. De toute façon, s'il balance un drone, moi, tu vas voir, ça va retourner contre lui. Donc vas-y, fais-le au corps à corps, hein. Je t'attends. Hein. Rien faire du tout. Ah, ils partent où en plus, hein? Et ils partent vite aussi. Mais t'inquiète, là je suis au taquet pour les intercepter. Voilà. Eh non, même à ras de terre, je vous explose. Vous ne mourrez pas là. Bon. On a fait le taf. Surtout que l'allié avait vraiment fait le con, donc on a fait le taf. Oh non, pas tout encore. C'est vraiment la première fois que je suis en mode dégoûté devant la Vector. Mais elle est mal configurée aussi, c'est pas de ma faute. Ça va prendre le top là, je me sens gros comme une maison. On va peut-être rester dans notre corner nous, même si bon, à la distance, voilà. L'allié nous sabote pas encore, hein. Ah, j'étais à l'œil, attention, hein. Je suis pas sûr que du coup on a le bon spawn, parce que là vraiment c'est le spawn qui nous oblige à nous planquer. J'aime pas ça. Hein. Oui, à mon avis, il va quand même essayer de venir me chercher peut-être. Mais par où, si c'est le cas? Ah, derrière moi. Ah, attends, me dis pas qu'il était en dessous là. Ah bah si. Je recharge. Oh non, mais t'es sérieux? Alors oui, mon shoot était un peu stressé, mais est-ce une raison pour autant de devoir mettre autant de balles? Oh là là. Bien joué l'allié quand même, qui termine le travail. J'avais un peu tout fait sur le black noir, hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, oh, on a la strat. Je le dis à chaque fois, mais on a la strat. Juste peur de l'allié qui va encore se tuer parce qu'il va nous tirer dessus. Non, parce que c'est vraiment du ricochet, du coup je suis quasiment sûr. Hein. Ah bah ça arrive, attends. Moi je peux faire les attendre après en fin de manche, mais bon là je crois que c'est au début, hein. Merde, attends. Oh mais l'allié, mais te mets pas devant moi. Ah mais ça marche à tous les coups, hein, vraiment. Bah oui, bon, on a plus de précision en étant allongé, c'est logique, hein. Enfin je dis ça, mais à un moment donné je vais me faire avoir. Mais pour l'instant, ça marche réellement à tous les coups. En plus là on a plus le pré-shoot par en dessous, là, magnifique. Ouais, viens là le dernier là, comme ça on va prendre le monopole de cette partie. C'est ce qu'il me faut. Voilà, c'est trop facile. Yes, comme ça on a deux points d'avance sur les deux teams. On peut pas rêver mieux en soi. Hein. Ah, manche tourelle. Oh bah normalement là on gagne un quatrième point. Hein.
On manque vraiment qu'ils nous mettent un trick de fou. En même temps, attention, parce que là, les toiles en hauteur pourraient nous avoir peut-être. Hein. En tout cas, je le répète une dernière fois, mais je pense que c'est la plus belle des maps comme ça en mode cell shading. Elle est vraiment magnifique comme ça avec ce côté nuit. C'est. Ouais. C'est magnifique. Voilà. Je n'ai pas d'autres mots pour qualifier ça. Mais limite, si ça peut remplacer le Rust qu'on a actuellement, moi ça me dérange pas. Hein. Elle est tellement magnifique cette version. Bon, par contre, attends, il y a. Ah, bah oui, il y a une team qui pose pas de toile. Et étonnamment, elle n'est plus là. Donc, oui, c'est sûr qu'elle va pas poser de toile. J'ai quand même peut-être envie de les détruire, eux. Je peux, je pense. Hein. Ah, bah voilà. Moins une. Coucou! Alors, donnez envie de poser des tourelles. De toute façon, si on fait jouer que des égalités, bon bah, fin de la partie, on l'a remporté, hein, la game du coup. Hein. Donc, bon, là, on a vraiment l'avantage de fou furieux. Mince, mais attends, mais c'est la toile de l'allié qui me tirait dessus là. C'est pas cool. De toute façon, tant que leurs tourelles ne sont pas détruites, elles bougeront pas d'où elles sont. Donc, pareil pour nous, mais du coup, personne va se tuer hein, dans cette situation. Hein. J'ai envie de bouger là. Ah bah. Bien joué. Mais attends, en plus il vient l'autre. Attends. Par derrière. Coucou. Oh dommage. S'il avait pas plus de temps pour fuir, on l'aurait eu. Hein. Bref, ça change rien. On va garder quand même du coup des points d'avance. Et surtout maintenant ça va être un 1v1 entre teams. Donc je pense que ça va diminuer encore plus leur chance de remporter la partie. Hein. Parce que là du coup ils doivent enchaîner 3 victoires d'affilée. Ça va être compliqué. Oh, même si bon, celle-ci on la perd à chaque fois, hein, malheureusement. Attends, je vais essayer avec du coup le gros coup de masse. Hein. Peut-être c'est mieux. Hein. Peut-être ça fait plus de dégâts. Hein. Plus que 60 secondes. Entre dans la... Ah ouais, mais surtout, regarde, ça enchaîne bien. Ah bah, c'est peut-être ça la technique du coup. Je suis sûr que c'est ça la technique du coup. Bah ouais. On l'a découvert peut-être sur la dernière partie, mais on l'a découvert. Il faut donc faire les coups chargés qui ne sont pas du coup là réellement chargés, mais ça enchaîne tellement rapidement. Quoique, mais j'ai un doute, attends. Mais en fait, est-ce que je faisais pas avant plutôt le coup chargé? Là, je l'ai pas fait. Je sais plus, en fait, c'est L2 ou R2 le coup chargé. Non, c'est peut-être le coup normal, ça, en fin de compte. Donc, c'est-à-dire que je faisais à chaque fois le coup chargé, mais sans réellement le charger. Sur les fois précédentes où je suis tombé sur ce mini-jeu. Eh ben, c'est possible, je me questionne. Mais bon, on s'en est sorti. Excellent. Excellent, excellent. Peut-être, du coup, qu'on aura quand même l'occasion d'en refaire du guerrier code, notamment pour un passage au prestige. Parce que limite, je me tape du coup prochain passage au prestige, donc pour le passage au prestige 18, donc au niveau 900, donc ça arrive bientôt. Au lieu de le faire en zombie, peut-être que je le ferai en multi, du coup. Le passage au prestige qui suivra, j'alternerai et je ferai en zombie. Donc pas comme d'habitude, où je commence d'habitude du coup sur une saison en tout cas. Passage au prestige en zombie, puis après multi, puis après zombie, puis après multi. Là, peut-être qu'on va faire l'inverse. Parce que je pense que là, si on se retrouve dans quasiment un mois, un peu moins quand même, pour le passage au prestige 19. Je pense que le mode guerrier code ne sera plus là. Par contre, du coup, si c'est pour le niveau 900, ça passe. Donc je me tâte. A voir aussi, du coup, les nouveaux modes de jeu qui vont être ajoutés bah, dès demain, vu que demain, on aura des nouveaux modes de jeu. Mais ce serait sympa, ouais, je pense, dans le cadre d'un passage au prestige, de se faire du guerrier code, tellement que ce mode est sympa à jouer. Donc à voir, peut-être, du coup, que effectivement lors d'un passage au prestige, on aura l'occasion d'en refaire. Dans tous les cas, on en a très très bien profité aujourd'hui avec une vidéo de quasiment une heure, je crois, en termes de durée. On a fait des parties, on en a fait des victoires, 4 victoires d'affilée surtout, c'est ça qu'il faut souligner. Donc non, c'était plutôt exceptionnel, et ouais, le mode est incroyable, il n'y a pas à dire. J'espère du coup que ça vous a plu. Si ça a été le cas, bah, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, de commentaires et de partages, ça me fera extrêmement plaisir, c'est la petite récompense. Bien évidemment. On se retrouve du coup très très vite pour d'autres vidéos, que ce soit sur ce Modern Warfare 3 ou sur d'autres jeux. Allez bye tout le monde. Oh yeah.